Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 19e jour du Camp Nano pour faire le dilemme du dimanche. Aujourd'hui, j'ai été super méchante avec moi-même. Ma mère m'a engueulée et m'a traitée d'idiote et d'imbécile. Je suis d'accord avec elle. On va pas se mentir, je suis d'accord avec elle. Puisque je vous ai demandé le dilemme du dimanche, je vous ai lâché ça en fait un jour et je vous ai pas expliqué ce que c'était. Le dilemme du dimanche, c'est qu'à chaque fois, enfin chaque dimanche, enfin chaque samedi, je vous propose des questions pour mon dimanche. Et c'est des questions dans lesquelles il faut choisir deux choses dans tous les cas que je n'aime pas. Donc aujourd'hui, vous avez à choisir entre je bois que du coca à la place de mon thé ou de l'infusion de thym. Si vous vous souvenez d'un des premiers vlogs où je vous présentais mon placard à thé, j'ai répété que je détestais le thym. Rien que l'odeur me rendrait presque malade. C'est dingue, ma mère m'a traité d'imbécile. Eh bien, que je vais devoir boire aujourd'hui. Donc on est prêt. Bon, on l'est pas d'ailleurs. Deuxième question, et là c'était plus un dilemme parce que j'aimais bien les deux propositions que je vous ai fait. C'était est-ce que j'écoute du Hannah Montana pendant ma session ou est-ce que j'écoute du Tokyo Hotel. Ça a été assez difficile. Pauline vous a fâché. Elle a dit que vous étiez une mauvaise communauté parce qu'elle était pour Hannah Montana et au moment où elle a voté, c'était Tokyo Hotel qui gagnait. Mais finalement, Hannah Montana a fait une remontée, donc aujourd'hui je vais écrire en écoutant les playlists Hannah Montana. J'ai hâte parce que c'est toute mon adolescence. Et enfin, dernière question, c'était est-ce que j'écris du triste, comme je peux faire très souvent dans ma vie, j'écris beaucoup de triste, ou est-ce que j'écris aujourd'hui que des choses heureuses, drôles. Vous avez choisi quoi? Que j'écrivais que des choses drôles et heureuses. Alors c'est parti. Ça va me changer un peu. Enfin, quoi qu'hier, j'ai écrit pas mal de choses qui étaient plutôt sympathiques. Ça allait, c'était pas trop triste. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire ça. C'est parti, sauf qu'il faut que j'aille faire mon thé. Enfin, mon thé, hein. C'est un mélange de thé et de thym. Faut que j'aille faire mon thym. Et clairement, ça, je suis pas prête. J'en ai pas envie. Pas du tout, du tout. Rien que cette idée, ça me... Alors qu'à côté de ça, j'ai trop, trop hâte d'écrire. Je suis toute... Enfin, vous imaginez même pas, j'ai adoré mon chapitre, ma suite, mon roman. Il fait encore à peu près le même temps qu'hier, c'est-à-dire un peu sombre, un peu orageux. Il n'y a pas de tonnerre, il pleut plus, mais c'est quand même un temps que j'aime bien pour écrire. Donc ça m'inspire. Du coup, je vais aller ouvrir mon fichier, me faire mon teint. Et on sera parti. Avant que je coupe quand même, il faut quand même que je me rende à l'évidence que si j'écoute une playlist Hannah Montana toute l'après-midi, le projet n'a peut-être pas beaucoup avancé. Bon, ça y est, j'ai fait mon thé, mais enfin mon teint. Et je me suis fait une petite tasse hein, parce que clairement comme j'aime pas ça, je voulais pas me faire ma grande basse, enfin ma bassinette d'habitude. Mais je retiens ma respiration parce que même l'odeur ça me... Ça va être sympa à boire. Bon du coup je vais vous mettre un petit peu, enfin vous mettre un petit peu d'Hannah Montana. Montana playlist. Chose à savoir sur moi, quand le film Hannah Montana est sorti, j'avais acheté l'album, je l'écoutais en boucle et même, bon, vous savez que j'ai chanté beaucoup sur Sing It et pareil, sur Sing It je chantais beaucoup les chansons d'Hannah Montana et l'album, je l'ai saigné. Ah là là, ça fait trop bizarre du coup de réécouter, mais je crois que cette playlist est nulle, enfin elle est nulle, c'est pas que Hannah Montana. Moi je veux que Hannah Montana. Mais là il n'y a que 60 titres, il n'y a pas que 60 titres Hannah Montana, elle n'a pas fait que 60 titres. Un truc, ça c'est drôle, je vous le raconte ça. Ça me fait penser parce que c'est la miniature de la vidéo. Quand j'étais jeune, j'avais pas Disney Channel et on avait été à la Fnac avec ma mère. Et il y avait ce DVD là de Hannah Montana. Genre il y avait les trois premiers épisodes dedans.
Et je connaissais pas du tout, mais genre pas du tout, du tout, du tout. Mais juste j'avais trouvé la couve, enfin la photo plutôt sympa. Et j'avais lu vite fait le résumé. Et j'ai été voir ma mère avec le DVD, j'étais là, maman, est-ce que tu peux me l'acheter s'il te plaît? Tout, ça a l'air trop bien. Elle m'avait regardé, elle a fait, je sais pas ce que c'est genre, pourquoi tu veux l'acheter? Genre, je l'avais ressorti exactement le résumé qu'il y avait écrit derrière. Genre, ça doit être trop cool de le lire. Donc, elle me l'avait acheté. Mais franchement, les trois premiers épisodes, du coup, j'ai regardé en boucle sur ce DVD. J'avais regardé en boucle. Puis après, c'est arrivé sur la 2, là, K2A ou un truc genre. Là, j'ai regardé tout le temps et après, c'est devenu ma vie. Voilà. Voilà. C'était le bon temps. Et je me rends compte que je suis vieille maintenant. Voilà. Bon, je mangeais et tout, et puis en fait j'ai soif, donc à la vôtre. En théorie, si je respire pas, je devrais pas avoir le goût. Vous avez le temps, je suis désolée, mais c'est pas un goût que je partage avec vous. Pareil que c'est bon pour la santé, mais pas pour les papilles. Allez, on va essayer de s'y mettre parce que depuis tout à l'heure je m'enjaille, mais je n'ai pas écrit. J'ai aussi été voir hier soir M6 a parlé de ma maison d'édition sur ben, 19h45, ils ont fait un petit reportage et du coup je voulais voir ce qu'ils disaient et on voit le semblable pendant quelques secondes et genre c'est trop chouette, il y a un semblable qui passe à la télé. Je suis trop fière. Enfin moi je le savais pas, c'est des lectrices qui m'ont dit et H qui m'a dit sur ta couverture il y a bien un mec en Marcel. Oui, et c'était bien lui qui est à la télé. Là, moment de gloire pour Enda qui est passé 30 secondes à l'écran. Je suis contente. Bon, allez. On retourne travailler. Que vais-je écrire? J'ai une idée, mais je sais pas du coup si ce serait peut-être une ellipse qu'il faudrait que je fasse. Mais en même temps, faut que je me. Ce qui n'est pas le cas parce que pour l'instant je suis un peu dans Anna Montana. Est-ce que si je relis ce que j'ai écrit hier, je serais pas plus du coup dans l'écriture? Si. J'ai grave envie d'écrire, mais je suis pas dedans pour l'instant. Allons-y. Bon, ben tout à l'heure j'avais grave envie d'écrire et tout, et je sais pas si c'est le temps ou si c'est Anna Montana, mais j'y arrive pas. Genre j'ai dû écrire 200 mots et j'y arrive pas. Y'a rien qui vient. Alors que j'avais trop hâte, je vous l'ai dit tout à l'heure, genre j'étais trop ambiancée à l'idée d'écrire, et là, je sais pas, mon imagination elle est coupée. Y'a rien qui vient, mon cerveau il est blanc. Genre je fixe mon écran et tout, et y'a rien qui vient. C'est trop bizarre. C'est pas normal. C'est pas normal. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me dis je fais une pause pour regarder un film et je reprends un peu après. Je crois que je vais faire ça. Je vais me poser pour regarder un truc. Je vais finir cette tasse, parce que déjà que c'est dégueulasse, je vais faire cul sec devant vous. À la vôtre. Faut que je bouge Bon, je vais aller voir un film. Je vais aller voir un film pour me poser un peu, pour me changer les idées.
voir si je retrouve un peu d'inspiration et je reviendrai avec Hannah Montana et pas un autre pain, je dois supplier celui-là pas suffit. Peut-être que c'est le fait d'écrire de la joie, je suis peut-être pas faite pour ça, je sais pas, on va voir. J'allais me poser à regarder un petit film, je sais pas encore quoi, un truc qui fait pas réfléchir, un truc igné, genre un truc un peu gnangnang cucu pour m'inspirer le passage que je suis censée écrire, deux jours, on va voir. Sky's friend Christina. Yeah, we're on. Bon, pendant que je regardais Bring It On, enfin American Girls en français, je comprends pas ce titre d'ailleurs, pourquoi on l'a changé. Mettre American Girls, ça n'a aucun sens, alors que Bring It On, ça a un sens dans l'histoire. Il le répète 10 000 fois par le film. Bref, maintenant que j'ai regardé ça, j'ai eu une illumination. Pas pour mon roman, mais j'ai réagi que si j'arrivais pas à écrire, c'est parce que j'étais fatiguée, parce que j'ai pas dormi cette nuit. Donc peut-être que c'est pour ça que mon cerveau, il veut pas fonctionner un peu. Donc maintenant que j'ai un peu reposé, posé dans le lit, je vais me bouger, genre on va mettre une petite là pour la pause, pour continuer cette pause, mais faut que je prenne dans bien 10 minutes, dans moins de 10 minutes, faut que je réécrive, mais je vais mettre la musique qui bouge, je vais me bouger en dansant, et après je retournerai travailler avec Hannah Montana pour écrire au moins mon quota du jour. Peut-être que du coup j'aurai une élimination sur ce que je dois écrire aussi. Ah là, la vie est difficile. Quelle idée, j'ai eu pas dormir aussi. Hein? Dites-le moi. Quelle idée. Allez. On va se bouger un peu, on va faire du cheerleading, la cheerleader de la pom-pom girl, comme dans le film que je viens de regarder. Go, go birdie, go, go écrire, go. Tu vas y arriver, il faut se motiver. On est tous ensemble dans ce camp nano. On va gagner, il ne nous mettra pas KO. Allez, bravo. J'ai raté ma carrière. Something you can do. Broke it down the country, find a hip hop, play from the heart to the side, to side, to side. Jump to the left, stick it right. Zig zag, cross the floor, come on, hang it, hang it low. It's the climb. It's the climb. Yeah. Keep on moving, keep climbing, keep the face, baby. J'ai un problème de vocabulaire après avoir fait tout ce concert sur Hannah Montana. Et comme je sais que c'est difficile de trouver sur Google, genre juste en mettant les mots-clés que j'ai dans ma tête. Genre c'est. Vous savez, quand on est dans un lac, le long du lac, des fois il y a des endroits où c'est plus marécageux. Mais c'est pas un marécage. Genre, c'est là où il y a de l'eau qui stagne. Ça fait un.
c'est pas une mare non plus. Et je cherche ça. Et sauf que si je tape ça sur internet, ça va pas me trouver. Donc je vais aller demander à ma mère. Mieux que Google. Voilà. Et information sur mon interprétation de The Climb tout à l'heure. Je l'ai fait en concert une fois. Pas au concert de Miley, en concert moi. J'étais sur scène. J'ai chanté juste The Climb. Moment de gloire. Mon père est parti en concert. Il voulait pas me voir. Bon, en fait, ma mère m'a pas aidée parce qu'elle a dit je sais pas. Et mon père a dit ben le bord du lac. Ça va pas dans ma phrase, le bord du lac. Tant pis, je vais faire avec ça. Et je vais formuler comme je peux. Bon, après ce démarrage plus que difficile, il est 18h57, je finis beaucoup plus en retard que ce que je pensais. Je pensais à ma soirée de libre pour regarder un film et tout, traînasser. Et en fait, je vais encore passer ma soirée à faire du montage, à m'écouter chanter Diana Montana toute la soirée. Ça va être sympa, j'ai hâte. Mais voilà, j'ai fini ma session, j'ai donc écrit 1235, ça va, puisque tout à l'heure je disais que j'étais coincée, j'ai écrit une scène, franchement... J'avais comme objectif, enfin vous m'aviez dit de faire une scène drôle, enfin de joie et pas triste comme j'ai l'habitude de faire. Au début j'étais mal partie, j'étais là, oh là je vais pas respecter les consignes. Et en vrai, je suis plutôt contente de ce que j'ai écrit. C'est encore une interaction entre Maddy et son love interest. Et ils s'entendent pas au début. Et j'ai fait une petite... comment dire, une petite insertion de Kylo Ren dedans, et bref j'ai fait une blague là-dessus. C'est voilà, c'est un petit passage comme ça qui était fun, j'ai trouvé. Du coup bah j'ai bien respecté le fait d'écouter Diana Montana. Et l'autre c'était quoi? Ah le temps, j'ai bu une tasse, ça m'a suffi hein. Je crois que je suis vraiment définitivement vaccinée contre ça. Je sais pas comment mes parents font pour en boire une tasse par jour. Moi, vous me donnez n'importe quel autre thé, mais pas du thym. C'est une honte, le thym, ça ne devrait pas exister. Pas dans ma maison. Genre, buvez autant de thym que vous voulez, mais pas chez moi. Non, je suis méchante. Bref, voilà, j'y ai réussi. J'ai réussi. Qu'est-ce que je retiens? C'est que c'est une mauvaise idée de me remettre des choses que j'écoutais avant, parce que ben, j'ai passé plus de temps à m'enjailler sur une musique que sur mon travail. Et en fait, une fois que je suis lancée, après ça va, parce que j'ai mes idées qui viennent tout seules, et quand c'est une zone que j'aime bien, ça va. Après, qu'est-ce que je retiens d'autre? Le teint, j'aime pas ça, mais ça vous en êtes aperçu. J'aime bien écrire des scènes de joie, même si j'en écris peu en général. Il y a toujours une pointe de tristesse, parce que mes personnages sont souvent tristes dans leur tête, et comme je fais à la première personne, on a souvent leur pensée, donc voilà, c'est pas non plus joie, 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 mais bon, c'est des moments drôles. Voilà le bilan du jour, de ce que j'ai pensé de cette session et de ce dilemme du dimanche que je m'étais imposé. Voilà. La fille qui sait jamais quoi vous dire, qui a toujours envie de vous parler plus, mais qui sait jamais quoi vous dire. Ça avance. Mon projet est donc à 33 419 mots.
Il m'en manque 7000 pour finir. Voilà. Je sais vraiment pas par où rajouter plus. Voilà. Si c'est une mauvaise idée de ne pas dormir la nuit, mais ça c'est pas moi qui ai décidé. Et quand je suis fatiguée, je suis moins productive. Mais ça c'est normal. Enfin, je pense qu'on a tous le cerveau qui fonctionne au ralenti quand on est fatigué. Ça m'apprendra à faire du montage toute la nuit. Et de toute façon, même si j'avais pas fait de montage, je pense que j'aurais pas dormi parce que j'ai des insomnies des fois. Si vous faites partie de ce club high five. Voilà. Bref, je vais y aller. Parce que ça va être l'heure de manger et que après il faut que je fasse tout ce montage là. Donc je vous dis à très vite, enfin à demain quoi. J'espère que ça a été pour vous, que vous avancez comme vous voulez. Ça je vous le dis tous les jours. Mais voilà, si vous n'avez pas écrit, c'est pas grave non plus. Vous avez le droit de prendre des petites pauses comme j'ai pu faire, même si après je sais que je me suis rattrapée. Je suis un mauvais exemple. Si vous vous sentez pas bien, regardez mon campano. Non, pas mon campano, mon anneau que j'ai fait au mois de novembre là. Vous allez voir que ça arrive. Voilà, peut-être que ça vous remontera le moral de voir qu'il y a des fois où on n'y arrive pas. Parce que là, je sais que je suis productive et des fois ça peut baisser le moral. Donc ça, je suis désolée. Voilà. Et vous comparez pas aux autres. Et je vous dis donc à demain, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, soyez différents, n'ayez pas peur d'être différents, soyez vous avant tout et je vous fais des gros bisous.